tous, c'est Jody Dreams, et bien me voici avec un nouveau gameplay d'Animal Crossing New Leaf. Donc sur mon blog, donc jody-ac.sprout.com, vous avez pu voir que j'avais fait un journal avec toute mon évolution en jeu. Mais je crois que finalement je vais le faire en vidéo, donc ceux qui ont envie de suivre mon évolution, regardez les vidéos tout simplement. C'est là que j'expliquerai ce qu'il y a de nouveau et tout, parce que ben, ça prend parfois un peu de temps de faire ce genre d'article, donc et puis je préfère jouer que de passer mon temps à faire un article comme ça, bien que bon, ça m'éclate de faire des articles, mais bon voilà, celui-là est un peu long et un peu, autant le dire, chiant à faire, donc voilà. Eh bien, quoi de neuf dans ma ville? Eh bien, voici, ben, j'ai eu la machine à coudre chez les soldats de fées. Et donc, je vais commencer à partager avec vous des motifs que je crée. Donc, pas mal d'entre vous me connaissent ben, simplement parce que je faisais des motifs sur l'ancien Animal Crossing, donc Animal Crossing Wild World. Donc, ceci est un premier motif que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez, j'irai chez moi pour vous montrer ce que ça donne. Oups, je crois que ce que j'ai pris... parce que j'ai été jouer avec Yuk, Sakuraba et Chuck sur mon île, un petit peu sur... un tout petit peu sur mon île et beaucoup sur la salle de Yux. Et j'ai pu acheter le canapé sirène. Et je suis très contente. Désolée encore pour la qualité de la vidéo, mais bon, c'est beaucoup plus facile de tourner comme ça. Voilà. J'ai fait des nouveaux projets aussi. J'ai payé pas mal de nouveaux projets. Je vous montrerai tout ça, bien sûr. Donc, ah oui, tiens, je vais déjà commencer par vous montrer une petite nouveauté. Hein. Voici ma maison maintenant. Je pense qu'elle a quand même bien changé. Hop, avec le toit sirène qui est juste superbe. Et voici donc mon petit jardin que j'ai commencé à faire. Il est loin d'être fini. Donc, des roses de chaque côté avec des violettes. Et en fait, tout le long ici, donc vous voyez là, c'est vrai que les buissons là sont différents. Peut-être que je mettrai d'autres, enfin, je verrai bien. Et donc, en fait, en partant d'ici, je vais abattre l'arbre là. Et ça va faire tout le tour de la maison. Vraiment tout le tour, tout le tour. Et alors bah, je mettrai des fleurs, et je sais bien que dans les projets il y a un petit fauteuil de jardin, et je crois que j'en mettrai un, donc voilà, je pense que je ferai ça. Tout à l'heure chez Yux, j'ai vu des dallages roses que j'ai demandé à Nook d'envoyer à mon Nook à moi, donc voilà. Mais bon, je vais toujours vous montrer donc l'intérieur de ma maison. Désolée pour le gros reflet dans l'écran. Donc voilà un petit peu l'intérieur, comment ça se présente. Je suppose que vous avez remarqué que ça a bien changé. Il y a quand même des choses qui sont toujours pareilles, la photo dans le chocolat et tout et tout. J'ai eu le mur sirène déjà. Je sais plus si je vous l'avais montré dans la dernière vidéo que j'ai fait avec Yuk Sakuraba. Mais voilà, si je ne vous l'ai pas vu, ben voilà. Oui, aussi, j'ai eu la boîte à musique. Je suis très contente. Merci encore à Faustine pour cette astuce. Donc, allez voir la chaîne de Faustine, elle est quand même elle est vachement pas mal. Donc pour l'astuce en fait, vous devez avoir un bénitier géant, chose que vous trouvez sur les coquillages sur la plage, 3000 clochettes et un disque de kéké. Donc voilà. Et donc j'ai la chance d'aller faire une mi-fiche chez un pote qui lui avait la dernière boutique de Méli-Mélo, la dernière extension, et j'ai pu acheter un disque de kéké. Et donc là c'est ukulélé kéké, donc façon boîte à musique, donc c'est vraiment joli comme tout. Encore merci Faustine pour cette astuce. Ma petite cage à hamster qui court toujours, mon nouvel ordinateur, j'ai mis l'ancien chez Risette. Ah oui, ce matin je suis très contente, j'ai eu 20 000 points à la JD, donc j'ai mis le fagnon. ah oui, tiens, je m'adresse plus particulièrement, donc ceux qui ne font pas des wifi avec moi, c'est pas la peine de me demander. Dans ceux qui font des wifi avec moi, ceux qui sont habitués, si vous voyez des éléments qui vous plaisent dans ma maison et que vous désirez que je vous les commande, il n'y a pas de problème, vous me demandez. Et voilà. Je commande et on s'arrange. Boum, boum, boum. L'étage. L'étage n'est pas encore très 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 cool. Voilà. Grâce à une copine, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Léa. Je crois que c'est Léa, oui. Qui m'a revendu une lit sirène. Et je lui ai dit,
suis toute contente, je suis contente, j'ai le lit sirène. Tout à l'heure, en allant chez Cousette pour mes QR codes, les derniers motifs que j'ai créés en QR code, elle m'a filé ceci, elle m'a filé un mannequin. Donc je suis très contente, parce que moi qui adore la mode, ben voilà, ça me permet de mettre des tenues pouf comme ça, c'est chouette. Comme vous voyez là ici, j'ai arrangé un peu plus mon coin salle de bain, même s'il y a toujours qu'un WC. Hein, si je trouve une douche ou une baignoire, ben, j'ajouterai hein, fatalement. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, ben j'ai une petite idée, je vais vous parler un peu des projets que je vais faire dans ma ville et vous montrer les derniers projets que j'ai payés. Parce que là pour le moment, ben, la maison, là, le prochain prêt, c'est 498 000 clochettes que j'ai payées pour le prochain prêt. Et là, ça me saoule un petit peu. Et j'ai mon écran qui est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Bon. Pour mon proche, donc vous voyez là, j'ai le petit dallage, ça vous l'avez déjà vu, ça le dallage. Donc, prochainement, je compte mettre un petit peu des fleurs autour de ma porte parce que ça me semble assez nu. Donc, un peu tristouné. Peut-être que je vais peut-être rajouter des dallages autour de l'arbre, je ne sais pas encore parce que ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'ici j'ai le dallage ici qui se rapproche et j'ai pas vraiment envie que ça touche. Je trouve pas ça super esthétique, donc je vais voir. Ici en dessous. Là, j'ai fait une éolienne que j'ai fini de rembourser hier et que j'ai inaugurée ce matin. Ça fait vraiment un bruit d'éolienne. Je sais pas si vous avez entendu des éoliennes, mais ça fait vraiment ce bruit-là. J'ai un des habitants. Ah oui, donc l'éolien avait été demandé par Electro. Un habitant que j'aime beaucoup, donc voilà. Un des habitants m'a demandé ce matin, donc Gustave m'a demandé de construire un phare. Donc je vais le construire ici parce que je trouve que près d'une falaise, là, ça se met bien. J'espère juste que normalement, comme il ne sera pas collé au bord de la falaise, eh bien, je pourrai avoir un espace pour sauter de la falaise, hein, parce que c'est quand même amusant de sauter de la falaise. Hein, qu'est-ce que je vais faire encore? Oui, j'ai prévu aussi de faire un puits. Donc là, j'hésite. Je vais soit le mettre ici, près de la mairie, et ou bien alors plus au-dessus. Plus ici, je crois. Comme ça, c'est tout près des maisons, parce que j'ai demandé conseil à mon homme qui connaît un petit peu en construction et tout, aménagement et tout. Donc, il m'a dit près des maisons, bien près d'un point important de ta ville. Donc, voilà. Et c'est le truc qui me semble le plus adéquat. J'attends de débloquer Robusto, le café de Robusto, donc le perchoir, pour le mettre ici. Je vais sûrement le mettre ici. Ou ici. Ah oui, non, pas ici, non, c'est vrai. Je vous avais dit que je ferais l'allée des cerisiers. Ben voilà, je vais la faire ici, l'allée des cerisiers, en fait. Elle va faire le long ici. Il faudra quand même que je plante encore des cerises ici en face, mais je vais d'abord attendre d'avoir Robusto, même si je ne suis pas encore prête de l'avoir, pour planter mes cerisiers. Histoire de ne pas en planter et puis de faire tout virer. Pas vraiment envie de faire deux fois le même boulot, donc voilà. Niveau des fruits, j'ai tous les fruits sauf le kaki. C'est le seul fruit qui me manque. Qu'est-ce que je pourrais, Sophie? Oh, une abeille. Mini abeille. Au niveau de mon musée, j'ai bien avancé aussi. Je sais pas si je vous avais dit. Je suis désolée si parfois je parle de certaines choses dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais je ne retiens pas malheureusement tout ce que je dis dans mes autres vidéos. Et parfois mes copines, mes amis le savent bien. J'ai tendance à radoter, un peu comme une vieille, mais c'est pas grave. Donc, ah oui, j'ai l'extension de Méli-Mélo, je suis super contente. J'ai payé, je pense que c'était samedi, oui voilà, samedi, pour le salon de détente. D'ailleurs, je l'ai expérimenté hier, j'ai été visiter une ville, et d'ailleurs j'ai suivi le conseil de mon ami Nolwenn, j'ai été visiter une ville japonaise, et je veux dire que je ne suis pas très bien tombée, moi. Même, malheureusement, enfin, toi tu tombes très bien, mais moi je ne suis pas bien tombée, tant pis. C'est pas grave, je suis sur une ville assez pourrie, assez mal entretenue, donc enfin voilà. Le club NDR, j'ai fait signer les pétitions aujourd'hui, je suis super contente, donc je suppose que je l'aurai assez vite. Maintenant, moi personnellement, je passe pas mon temps à avancer les jours dans la console, parce que je trouve un peu que ça sert à rien. Oui, on sort les trucs plus vite, ok, c'est super, mais la richesse du jeu, je pense que l'attente fait partie de la richesse du jeu. J'avais dit que je prendrais mes dalles, je vais vite le faire avant d'oublier. Oups. Voilà, et demain, je les aurai chez moi, et c'est cool. Bon, pom pom pom. Ça, oui, il y a plus rien qui m'intéresse.
toute façon, on sait propre qu'un truc par jour, on sait faire qu'un changement par jour sur sa maison. Donc, voilà. Oh, je ne vous ai pas montré le motif que j'ai fait, c'est pas grave. Je retournerai après. Ce matin aussi, très contente, j'ai débloqué, enfin j'ai enfin eu la boutique de chaussures. Ça a pris 3 jours de construction quand même. Je ne sais pas si quand j'avais fait le gameplay avec Yu Sakuraba, ça construisait déjà, il me semble, mais voilà, maintenant c'est fini. Et je peux aller dedans et je me réjouis donc de trouver, je cherche en fait actuellement des pantoufles roses. Donc moi, bon voilà, c'est le premier jour que je n'en ai pas eu. J'espère que demain, j'en aurai. Au niveau de mon musée, moi personnellement, au total, j'ai fini 3 squelettes entiers donc des dinosaures. Je peux vous montrer. Je sais pas si vous intéresse ou vous n'intéresse pas, vous avancez un petit peu dans la vidéo. Poum poum poum. Est-ce qu'ils sont pas cachés, mec, il y en a un là. On va faire gaffe à ne pas se perdre. Ah oui, tiens, j'en profite parce que sinon je risque d'oublier, tête en l'air comme je suis. Je voulais remercier Exaya pour une chose. En fait, j'ai fait une file l'autre jour avec elle et j'ai vu qu'elle a mis plein de fleurs sur son île. Et en fait, ça permettait d'attirer plus facilement les papillons et autres mantes religieuses, mantes orchidées, tout ça. Je veux dire que j'ai repris cette astuce. Eh bien, je te remercie, Exaya, d'avoir partagé cette astuce avec moi. Voilà, ça fait un peu plus de sous. Donc ici, le pteranodon, j'ai fini. Je suis très contente, je l'ai fini donc ce matin. Les gros oiseaux, les gros oiseaux. Celui-là, est-ce que je te finis, toi? Non, il manque encore ta queue. Il manque ta queue. Papa, où est-ce qu'ils sont les autres pour vous montrer? Je sais bien qu'il y en avait un qui est en photo sur mon blog, mais j'ai viré la photo, donc voilà. J'ai viré l'article où il y avait la photo. Je suis quand même assez contente parce que j'ai... Voilà, celui-là qui est en photo sur le blog. J'ai quand même bien avancé, donc je suis quand même assez contente. Je vais rester un petit peu sur que vous puissiez quand même voir. Celui-là, c'est le Brototerium. D'accord, ok. Je vous laisserai lire tout ça quand vous aurez vous-même les fossiles, parce que c'est long. Bon. Poum poum poum, poum 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 poum. Bon, est-ce que je vais arriver à passer avec cette webcam qui fait tout laguer? Je pensais avoir fini un autre. Oui, j'en ai un troisième, mais je sais pas où il est. Non, je sais pas où il est, c'est pas grave. Je vous montrerai ça une autre fois. Parce que bon, j'ai pas passé ma vie dans le musée, il y a plus intéressant quand même. C'est marrant le petit bruit que ça fait là. Quand on passe tout près de la. Vous voyez là, le truc de Blaise, là, ça fait un petit oui quand vous passez près de la. Près de la boutique, il y a l'enseigne qui bouge. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre à part, mes habitants, voilà, rien de bien fou. Ah oui, tiens, aussi, je compte construire un campement, mais je sais pas encore où je vais le construire. Mais ça sera pas des suites que je vais faire parce que, voilà. Grâce à ce campement, j'espère avoir des habitants que j'aimerais bien, peu genre comme Melba ou Rosie. Voilà, j'aimerais bien les avoir. Je sais pas où je vais mettre le campement. Je crois que c'est plus dans le haut, je crois. Je vois bien par ici. Peut-être péter l'arbre ici, le mettre là, peut-être. Ah ouais, là, il irait bien là. Ah voilà, j'ai peut-être trop de mettre mon campement. Oula. Ah bah voilà, j'ai plus d'endroits où je pourrais le mettre. Ah oui, tiens, j'en profite pour vous dire, si vous voyez des idées qui vous plaisent d'aménagement dans ma ville, comme moi j'ai fait mon jardin et tout, moi ça me dérange pas que vous refassiez parce que moi je suis là pour partager des choses avec vous. Et si vous prenez des idées à moi, moi, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir, c'est que mes idées sont bonnes, donc c'est un peu flatteur, donc voilà. Maintenant, si vous faites un copier-coller de ma ville, là, je suis pas... Enfin, suite-y, le même genre de dalle, enfin voilà, là, ça va peut-être plus me faire chier, mais si vous reprenez quelques idées, ça me dérange pas, parce que, de toute façon, personnellement, je me calmerai sur le jeu, et voilà. Chacun fait un peu ce qu'il veut dans sa ville. De toute façon, les idées, ça va, ça vient. On peut très bien avoir la même idée que d'autres personnes.
Maintenant, je sais bien que certaines copines que je connaisse, je citerai personne, sont pas forcément, pensent pas forcément comme moi, mais c'est pas méchamment que je dis ça, mais bon, voilà, moi, ça c'est pas méchamment que je précise comment ça me dérange pas. Faut pas qu'elles se sentent offensées si je dis ça. C'est juste que voilà, j'ai vu sa vidéo l'autre jour, et enfin, il y a une heure, je crois, une ou deux. Et bon, voilà, elle n'apprécie pas que les gens reprennent ses idées. Ok, mais bon, moi je pars du principe que quand on poste des vidéos, c'est pour partager des choses avec des gens. Donc faut s'attendre à ce qu'ils reprennent les idées. Donc voilà, moi ça me dérange pas personnellement. Moi par contre, ici les dalles que j'ai, c'est des dalles que j'ai fait moi-même. Et si vous venez dans ma ville avec le code onirique, je pense pas que vous saurez reprendre les motifs, parce que j'ai demandé à ce qu'une. Elles ne sont pas les prendre. Les motifs que j'ai dit repartager, ils seront sur mon blog, donc voilà. Ah oui, j'avais dit que je montrais peut-être quelques créations de motifs que j'ai fait. Je vais zoomer avec ma perso et vous les montrer. Un petit passant que j'ai commencé à faire, vous savez, je pense à peu près tout ce que je bosse dans la mode. Et donc, que je passe mon. Donc, j'aime bien de créer des vêtements. Donc voilà le premier petit truc que j'ai fait, on va pas super bien, donc il est pour le moment actuellement en création star sur mon blog, je mettrai peut-être le lien carrément direct pour les motifs en dessous de la vidéo, là, dans la description. Je vais montrer les autres choses que j'ai faites. Donc en fait je passe mon temps également à refaire des tenues, enfin des vêtements qui existent en vrai, mais donc de la marque pour laquelle je bosse. Donc par exemple il y a celui-ci que j'ai fait. Donc celui-là, vous le trouvez facilement sur mon blog, donc c'est un petit pull, vous voyez, un peu la côte en dessous ici, et au niveau des manches, un petit pull sans, enfin, courte manche avec un visage de féminin dessus. Sur le blog, vous pouvez le retrouver dans le coin collection Paprika, voilà, c'est une reproduction d'un pull qui existe en vrai. J'ai également fait une photo de moi qui porte le pull, comme ça vous pouvez voir un peu la ressemblance si ça vous dit. J'ai également fait, toujours de la boutique pour laquelle je bosse en vrai, une robe en jeans avec le petit boléro qui va avec. Celle-là, je ne sais pas si je la partagerai sur le blog, parce que c'est une tenue que. Enfin, c'est carrément une tenue en fait, parce que les deux pièces s'achètent séparément. C'est carrément une tenue, donc je ne sais pas. Et puis ça me tient quand même assez à cœur cette tenue, donc voilà. Maintenant, c'est qu'avec les lunettes et la casquette, ça va pas super, mais bon voilà. Et alors, j'ai fait également dans les trucs en vrai, j'ai fait ce t-shirt. Donc il était assez difficile à faire parce qu'en fait, en vrai, c'est une matière toute voile en fait. C'est une matière voile et en fait, il y a vraiment un dégradé de couleur en fait entre le haut du t-shirt et le bas. Donc c'était vraiment pas facile à faire. Et, bon, maintenant il y a des détails que j'ai pas fait parce que ça aurait fait juste bizarre sur le motif. Donc voilà. Et alors, non, un motif que ça j'ai créé qui ne vient pas de la marque pour laquelle je bosse, j'ai fait celui-ci. Donc c'est un petit donut. Les plus attentifs reconnaîtront le drapeau de ma ville. Ceux qui ne sont pas attentifs, maintenant ils le savent. Et donc en fait c'est un motif que je ne mettrai pas sur mon blog en fait. C'est un motif, je veux dire, allez on va mettre le mot, un motif exclusif, voilà. Donc pour ceux qui viennent dans ma ville, vous pouvez prendre ce motif-là. C'est un peu comme les petits t-shirts souvenirs, les petits souvenirs que vous emportez quand vous faites du tourisme. C'est un t-shirt à l'effigie de Sweetie. Dans le dos, il est écrit Sweetie avec un petit cœur au-dessus, donc voilà. C'est vraiment à l'effigie de ma ville. Pour Sweetie, il y a des gens qui m'apprécient, qui apprécient ma ville. Donc si vous décidez de prendre le t-shirt, il n'y a pas de problème. Si un jour vous venez dans ma ville, tous les vêtements qui sont chez Cosette et Layette au niveau de mes motifs, vous pouvez les prendre, il n'y a pas de problème, ils sont là pour ça. Donc voilà. Un autre motif que j'ai créé récemment, c'est celui-ci. Vous voyez, avec un petit top, en fait, on voit même les fonds des petits nénés. Et derrière, en fait, je ne sais pas si ça se verra, non, ça ne se voit pas. En fait, à l'arrière, c'est croisé en fait dans le haut du dos. Ce motif est disponible également sur mon blog en QR code, donc si c'est des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à passer. Comme je le dis, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Là j'arrive à 20 minutes, je pense vous avoir tout montré. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain gameplay Animal Crossing.